Vérité de vérité, aïe. Vérité de vérité, aïe. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 9 octobre 2024. Bon, de vous en moi, l'école a commencé aujourd'hui. Regardez ça vous-même. Vous voyez? Voilà les toilettes de nos enfants. Belle vue 2. Voilà. Regardez-nous. À côté du hôpital chinois. Ici, il y a la porte. Regardez-vous-même. Bon, je suis obligé de boucher les narines. Parce que c'est vraiment, c'est pas possible. Vous-même, regardez-vous-même. Ça, c'est des salles de classe. Regardez les salles de classe. Regardez l'air. Vous-même. Regardez les matières fécales. Regardez. Vous voyez bien? On va aller de l'autre côté. Et tout à l'heure, quand nous sommes arrivés là, on a trouvé quatre jeunes garçons assis au fond en train de fumer le chanvre dans l'établissement. Vous voyez, par contre, là, il n'y a pas de porte. Ouais. Allez, la salle de classe. Vous-même, regardez. Il n'y a pas de banc. Regardez le plafond. On va aller de l'autre côté. Là, vous avez la première année B. Voilà, regardez vous-même. Regardez, hein. Vous-même, regardez. Regardez. Voilà. Ouais, tout à l'heure, là, je vous ai dit que quand nous sommes rentrés, on a trouvé quatre jeunes en train de fumer le chanvre ici. Vous les avez peut-être vu dans la vidéo, regardez. Là, le mur n'existe plus. Donc, ils cascadent par là. Vous voyez bien. Après, ils se retrouvent au quartier. Voilà. Vous voyez bien. Vous-même, regardez. Voilà. C'est mieux, là. Je suis avec le citoyen de bonne moralité, M. Karl Moudouma. Apostol, putain, je suis la belle vue de. C'est l'insécurité pour nos enfants qui apprennent ici. Ah, ok. Les portes, ça déclate, même pas des portes. On va évoluer. Ils ont fait semblant de soi-disant nettoyer. Et là, ils ont égaré ça, là, comme ça. Voilà. C'est les enfants, là, il faut fouiller bien. Voilà, vous voyez vous-même. Regardez. Là, ils ont nettoyé, ils ont brûlé là, et c'est là. Vous voyez, regardez ça. L'avenir de deux enfants, l'école au Gabon, vraiment, je ne sais pas si c'est la moquerie, hein, regardez. Regardez vous-même. Et on n'est pas loin de la route. C'est brûlé seulement. On n'a rien enlevé. Ouais. Bon, vous-même, vous voyez l'école, non? Dans quel état est l'école? Voilà. Ouais. Voilà. Regardez les portes. Un pays qui a le bois, en Poutoulou. Voilà. En réalité, les autres forêts devaient avoir des ouvriers comme des menuisiers. Voilà. Lorsqu'ils arrêtent le bois, on pourrait passer le bois pour le recycler pour faire ça. Allez, ça des classes. Ah oui, voilà le plafond. Allez. C'est bien. Hein? C'est bien l'avenir de nos enfants. Dans le sol. Regardez le sol. Les enfants vont courir, ils vont se casser les pieds. Je sens qu'il n'y a même pas l'eau. Il n'y a pas l'eau. Bon, on peut dire chapeau pour le drapeau, non, monsieur Karl Moudouma. Le drapeau est propre. Oui, et puis il est propre. Mais ici, je pense quand même qu'on peut amener quand même une entreprise qui fait de le BTP. Fait même un don à ses enfants pour qu'ils puissent avoir un espace assez. Un cadre très jovial. Ça, c'est depuis 1960. Ah. Et ici, c'est la maison du responsable. Du directeur, regardez. Regardez vous-même. Regardez. Comme le plafond est ventré. Regardez. Vous-même, regardez. Faut voir. C'est comme ça là. Donc les enfants vont reprendre dans de telles conditions. Voyez vous-même. On a coupé, là, on a fait tomber ça. Et l'affaire est classée. L'affaire est classée. C'est vite. Attends, je viens là-bas. Les toilettes. Regardez les toilettes. C'est toujours pareil. Regardez vous-même. En plein centre-ville. Voilà, les autres toilettes. C'est là, elle est pissoir. Voilà. C'est pas entretenu. Il n'y a pas de rien, c'est pas entretenu. C'est quoi, on a commencé aujourd'hui? C'est pas entretenu.
L'école a commencé aujourd'hui là. Voilà. C'est un peu comme un endroit qu'habitent les qui vivent les fantômes. Les fantômes vivent ici, hein. C'est ce qu'on a des films d'horreur.